Foot Esports. Trying to push to the top of the pack. Think that'd stop? Yeah, never die. Trying to get to the top of my game. I don't want to hear no talk from lames. I don't want to do it if there's not no gain. Them man are lacking cause them man don't train. Hey, I can't accept one loss. Never die. Trying to be something I'm not. Never die. I can feel it in my blood, got my heart racing. Got the world in my sights and it's for the taking. We apply the pressure, diamonds in the making. Got the spirit, got the vision, yeah we groundbreaking. Now we tryna take the whole game and make it bigger. I can take the pain, cause I'm a born winner. Got the medal round my neck, watch my chain shimmer. Only ever seen a king looking in the mirror. Voilà qui est fait, les joueurs sont sur scène, ils vont pouvoir eh bien, se concerter une dernière fois avant d'aller s'installer définitivement sur leur chaise. Alors j'ai oublié le blaze malheureusement. Cougar. Ouais, Cougar, c'est bien ça. J'aurais préféré ignorer cette information. Et du coup, ils sont forcément déjà log, vous le savez, hein, les joueurs ont déjà fait on dirait la sélection des agents de leur côté, mais nous, on ne le connaît pas. On va pouvoir découvrir les compositions à venir sur Icebox. On rappelle que Fnatic est donc une de ces équipes qui, pour le coup, n'a pas fait évoluer la méta sur la plupart des maps, notamment Xbox. Au ouais. contraire, la méta, on va dire qu'ils la maîtrisent du bout des doigts, et c'est ce qui fait leur force. Ouais, ouais, et surtout les basiques. Ils respectent tous les fondamentaux. Exactement. Il n'y a pas d'overpeak, c'est pas nickel déco. Chrome. T'as pas d'arbor. Ouais, pas de déco, pas d'arbor, c'est nickel pas chrome. Pas domaine dueliste. c'est vrai, tu marques plus de Keio, c'est vrai qu'il fut un temps, Keio était quand même très à la mode sur ouais. Xbox, en mode deuxième initiateur, mais là non. À la place de la Sage justement, mais ouais, non. Ah, on reste trop précieuse. Classique. Hein. Vraiment ouais. trop précieuse pour les phases de spike, d'amorçage, de désamorçage. Et c'est Chronicle hein, qui fait un taf monstrueux avec encore et toujours. Chronicle, j'ai envie de te dire. Voilà donc les agents qui vont pouvoir être choisis, en tout cas dévoilés en cascade au fur et à mesure. Alors Fnatic, je sais pas pourquoi c'est une monstre, un bridge, c'est évidemment la Sage de chaque côté. Je pense qu'on devrait avoir un miroir de toute manière. Une Jett pour Derke face à Kiwi, pour moi c'est le match-up à attendre. Ouais bien sûr, Kiwi Derke c'est obligatoire. Et du coup, bah ouais, tu l'as dit, miroir, aucun problème là-dessus. Vive Icebox, tout à fait. En vrai, c'est vrai que c'est pas une map où c'est le bon moment pour innover. Et en tout cas, faut qui va pouvoir jouer au moins à niveau égal là-dessus. Et pour moi, tous les yeux doivent être tournés sur Derke contre Kiwi. On les a présentés dans le pré-show. Et pour moi, c'est vraiment ça qui peut tout rythmer. Quoi. Et fut, ils avaient pas justement le Arbor la semaine dernière contre Giants? J'avoue que je me demande là. Peut-être. On vérifiera, mais il me semble qu'ils avaient le double contrôleur aussi avec Arbor Viper. Vu que tous les matchs commencent à se mélanger de mon côté, bien sûr. Absolument tout suivre. Et c'est vrai que l'Arbor a été tenté par l'équipe, et là on retrouve les échauffements côté Fnatic. Ils aiment bien faire ça. À certains moments, le caméraman se régale, ça fait des choses à montrer pour la prod. Dernier échauffement du poignet, des bras avant de se lancer in-game. Je crois que nos collègues directement sur place vont pouvoir vous faire profiter de leurs commentaires pour cette première carte. Icebox, à vous messieurs. Pour vous commenter ce premier match Fnatic face à Foot, le grand retour de Fnatic Hero après cette semaine de convalescence, on va dire. Ouais. On espère qu'ils ont faim. Oui, on imagine qu'ils ont faim et qu'ils vont continuer tout simplement à continuer à gagner. Hein. Ils sont invaincus jusqu'à maintenant, ils sont conquérants. On a vu Derke manger tout à l'heure, il a bien mangé, donc il doit être en pleine forme. Donc on va voir si les Turcs vont pouvoir répondre de la meilleure des manières. Surtout que la dernière rencontre, ils ont perdu. Hein. En tout cas, on a croisé Atakaptan qui avait l'air extrêmement chaud. Hein. En tout cas, on l'a vu aussi. Et tu parlais de Derke. En tout cas, le mythe est tombé, nous étions dans la même pièce, là il est vraiment juste en bas, oui. Je suis ici, je ne suis pas, je ne suis pas Derke. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu t'es peut-être dupliqué, on sait pas ce qui s'est passé, il se passe des dingueries là à Berlin, donc on sait pas, hein. C'est pas sûr. En tout cas, on a vu la map du coup, Icebox, choix de carte naturel pour Fnatic évidemment, on sait que ce sont quasiment presque les meilleurs hein, sur cette carte. Composition très classique, même Mirror des deux côtés, donc on va avoir potentiellement un match très compliqué pour Foot. On reste en terrain connu, après là où Foot va pouvoir espérer faire quelque chose, c'est que Icebox, c'est
connu, hein, chez Fnatic. On sait à peu près comment ils la jouent, on sait ce qu'ils peuvent faire. Donc il y a de la data, il y a quelque chose, mais tu l'as dit, Ita, Icebox reste une map ultra forte pour Fnatic. Attends, c'est difficile. Et ce sera l'une des dernières fois où elle sera jouée, hein, puisqu'on le rappelle, Icebox va sortir de la rotation pour laisser place au retour de Bind. Tout à fait, hein, ça va être intéressant de suivre ça, mais effectivement, tu l'as bien mentionné, Fnatic n'ont pas du tout pour l'instant droppé un seul match, donc ils sont l'air effectivement très confiants. Vous le voyez ici, Derke face à Atakaptan, on les voit, et on va pouvoir partir en Game Hero map 1 entre Fnatic et Foot. C'est parti. Allez, hein, le timer qui se rapproche de zéro. Fnatic en défense, Foot en attaque, et c'est parti. 5 secondes avant le pistol. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On a deux points d'appui, hein, au niveau de ce mid, au niveau de ce A pour les Turcs. Et un trio qui va faire de la présence directement. Voilà, en Mr. Fallen qui envoie son drone. On a tagué Chronicle qui a récupéré l'orbe gratos. Et on a deux joueurs qui se positionnaient déjà de manière extrêmement agressive, notamment Léo qui a pris sa pose au niveau des pipes. Et les skins qui sont tenus par, par Derke. Mais voilà, derrière, du côté de Foot, on va plutôt se rediriger autour du B héros en, en slow, en explosif, en déclic. Allez, hein, c'est qu'une question de seconde maintenant. C'est Buster qui va avoir le premier contact. Voilà, ça a été trouvé entre Moj et le capitaine Fnatic. Pour l'instant, pas de dégâts trouvés. On est bien inspiré. Ouais, du côté de Moj, mais on n'a pas trouvé de dégâts. Anti-plante là, du côté du stuff de Buster. On met des petites molos, on empêche Foot d'accéder au site ici. Kiwi ne pourra pas trouver d'élimination sur ce dash. On va poser le wall et ça commence. Oh, attention ici, Buster qui a essayé d'aller chercher, d'aller punir, mais il ne pourra pas trouver de punition. Il faut un amorçage deep, hein, c'est plutôt bien joué. Voilà, on n'est pas gêné par du contre-stuff éventuel. Ou si le wall éventuellement avait été cassé, on va devoir jouer une retake à 5. Ouais. Ouais, ça va être intéressant. Attention, il y a toujours le wall, hein, justement, du côté de Chronicle, donc il pourrait intervenir assez rapidement. Il y a la coupe de Mr. Fallen, en plus il les épaules avec une première reveal. Ouais, la nanite va empêcher Buster de trouver, en tout cas de toucher ce spike. On a toujours pas trouvé de kill, ça y est, c'est fait pour Atta Captain et Kiwi. Et là, ça avantage fortement l'équipe turque. Ouais, la coupe de Mr. Fallen est gérée. Léo trouve l'élimination face à Kiwi. Ouais, Moj qui arrive à tenir. Alphayer, le doublé. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le triplé, le round? Ça devient, ça devient. Atta Captain doit commettre ici. Mais des petits coups d'épaule, mais en train de tenir le spike. Alphayer, il va chercher Quadrat Kill. Retake très très solide. Ça commençait très mal, hein, parce que Buster, il a pris tellement de dégâts des nanites. Il s'est fait soigner, hein, instantanément, mais bon, ça n'empêche pas que Foot trouve le double open kill. Hein, et là, tu te dis, mais comment on peut gérer cette fin de round? On n'a pas été naïf, hein, sur le positionnement de Mr. Fallen. Alors, je sais pas si on l'a vu à cause de la reveal ou si on l'a tout simplement attendu. Hein, si on connaît, C'était un peu le joueur dangereux du round, hein, mais il a été vu très tôt finalement. Ouais, puis même, on s'effondre, hein, sur le site, hein, Alphayer qui trouve un doublé très tôt, très rapidement. Solide. Round armé, Buster qui restera. Ok, je crois que sous place, je me suis dit, ouais, quand même. Partira sur une Stinger. Round armé. Et pas d'achat. Il y aura un shérif sur Kiwi uniquement du côté de Foot. Et ils vont jouer, bah, groupé autour du B1. Ils vont jouer vraiment sur Buster. Essayer de le faire un petit peu trembler. Pendant qu'on a, bah, toujours un petit peu le même round que le pistolet. Hein. Avec un, notamment un Mr. Fallen qui est tout seul au niveau du A. Ouais, clairement, c'est littéralement le même round. Et c'est toujours Buster, hein, qui sera en réception. Cette fois-ci, il va jouer un peu plus safe. Voilà, il va se positionner au niveau de ce snowman. Ouais. Il va repérer, c'est géré. Est-ce qu'on a de l'antiplante encore une fois? On se place, on peut peut-être récupérer un timing du côté de Kiwi et d'attaque Captain. On a été repéré coup d'épaule. On prend beaucoup de dégâts. Fire qui va rester récupérer Buster. Le très très bon stuff aussi pour aller chercher Kiwi. Et ouais, on enchaîne. Hein. Un pour un pour Moj. Ouais, on est repéré pour Mr. Fallen. On trouve quand même le kill. Il sera, voilà, éliminé par Derke sans aucun problème. Il reste plus qu'à ta captain. Est-ce qu'on a l'information? Parce qu'il était infiltré, il pourrait éventuellement surprendre Chronicle. Il devrait pouvoir surprendre Chronicle. C'est fait. Maintenant, sa position est connue. Mais attention, il a récupéré une spectre. C'est un V2, il est armé. Attention, il va quand même se faire pique, je crois, par un joueur. Non, Buster va rester pour l'instant caché. On a Derke, hein, qui est au niveau de la kitchen et qui regarde justement au niveau du container orange. Il va pas lâcher. Et voilà. Hein. Derke qui va chercher ce round. Tout de même, Fnatic font tomber trois armes. Pardon, Foot faut tomber trois armes. Bah, écoute, assez cher. Hein. Pas mauvaise, hein. Le round était bien amorcé, bien anticipé, hein, pour Fnatic, mais voilà, hein, on a gratté des petits kills à droite à gauche au série, au classique. C'était quasiment une éco-sèche, hein, pour Foot, donc oui. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est quand même un bon round. Et du coup, ça provoque un achat commit, hein, sur Alphayer. Vous le voyez, Alphayer qui a décidé de upgrade complètement sur une Vandale, accompagné de Léo aussi. Donc là, sur une bonus, c'est pas vraiment bonus du côté de Fnatic pour le coup là. Et on est déjà en moins 1 pour Alphayer, hein, donc on va chercher un orbe et bon, on a un confinement, hein, pour aller chercher éventuellement le 3-0.
Ouais, Ricon qui n'aura rien donné, Ricon qui permet de voilà, checker le contact, il n'y a personne. Ok, on n'a pas été chercher l'orbe directement au niveau de Sora, on sait qu'elle peut être gratuite, hein. C'est elle pas est mal, souvent pas contestée. Stack le B du côté Fnatic, on joue A en reprise, vous voyez hein, Léo qui a une position très reculée, on va vraiment tourner autour de Boaster là pour Derke et Chronicle. Et ça va arriver dans quelques secondes ici, Derke qui a cette pose qui est si traître. Ah, il est prêt à réagir, oh, hein. On a Chronicle qui, oui. Alors je sais pas s'il a vu son adversaire ou c'est seulement du pré-fire. Ouais, Moj qui ouvre sa ligne, ouais, la naïveté là de Derke, on devait couvrir. Allez. Et c'est Chronicle qui s'effondre également, Moj qui prend ses responsabilités seul et qui trouve un doublé. Attention, Léo qui a concédé beaucoup d'espace au niveau du A, le A est déjà investi hein, du côté de foot, on va pouvoir amorcer, voilà, Boaster est au courant. Qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter? Oh, Kiwi qui a pris de l'espace, qui va réussir à se débarrasser du leader endgame. Bah bien joué Moj hein, sur ce round. Ah, Moj il a géré hein, honnêtement. Et Alphire, hein, il va essayer de conserver son arme bien entendu, Léo même chose hein, les deux n'ont absolument pas d'argent pour le round suivant. Ouais, bien joué Moj, hein. Il a pris son temps. Ah, il tente un piège, hein. Ouais. Un crossfire là qui est tendu entre Alphire et Léo. En tout cas ouais, Léo aura le premier contact et Alphire pourra décaler dessus. Ouais, on patiente. Hein. Pareil du côté de foot, on sent qu'on veut pas perdre trop d'armes. On reste prudent tout de même, on a notamment la Killjoy de Moj hein, qui prend de l'espace un petit peu au niveau de la kitchen, il faut personne. Il y a une tourelle en plus qui est à côté donc... Il devrait pas aller chercher beaucoup plus loin, ouais voilà, ouais, il attend. Faut rester ici. Et surtout qu'il y a la tourelle hein, de soutenir. Ok. Du spike. Premier round armé remporté avec la manière pour ouais. Foot, notamment grâce à un énorme boulot de Moj. Absolument. Oh, et Derke qui derrière ranky sur un opérateur, hein. Décidément on n'a pas le temps côté Fnatic. Bah, de toute manière, s'il y a bien une équipe qui maîtrise l'économie de ce jeu, c'est Fnatic et ils vont... probablement acheter 90-95% des runes, hein, de toute manière. Ouais. Fameuse méta, petit bouclier. Ouais. Au final, plus je la vois et plus je me dis qu'en fait ça a complètement du sens en réalité. C'est... Ah bah oui, pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt? Ouais, tentative de camp. Oh, les dégâts sont pas trop mal, non, ça touchera pas. Je disais, elle est pas régulièrement contestée cette arme. Non, non, pas du tout, elle est souvent contestée. On l'a vu à l'instant. Avec le combo hein, freeze, poison et choc d'art. Ouais, entre temps aussi, il y a un contre-stop, il y a les slows aussi hein, qui vont au niveau de la hauteur pour empêcher quiconque de pique. Et finalement, c'est un statu quo entre Foot et Fnatic, Foot qui sont en train de freeze. On envoie un drone quand même pour une reprise d'information pour Mister Fallin. Et on a Boaster, hein, opérateur au niveau de la Nest qui attend son heure. Il ne trouvera personne pour l'instant. Redirection vers le B. Hein. On est patient côté foot, ça y est, on a fait une présence au niveau de ce A et tu l'as dit Ita, ça semble être une redirection B mais on passe tout seul avec le SPAC, hein. Il y avait une info mid. Ah non, ça stat, ok, est-ce qu'on fait un fake, fake B retour A, ça semble être l'opération. Ouais, quoique, on a repéré Boaster, pas, hein. Ouais, ils savent pas trop, hein. On a Moj qui a récupéré un timing, pourquoi pas, il s'est positionné au niveau du yellow. Ok, ils sont ouais, décidés. Ouais, ça va couvrir. Ils sont décidés, ça y est, hein. Ce sera un finish B. Ça va couvrir en B. Avec Chronicle qui doit tourner, hein. Chronicle qui doit pas rester là. Il n'y a personne. On va être bon drone de la part de Léo, pardon. On n'a pas repéré Attakatan, ouais, il est au contact. Mais attention, le wall il va bientôt fade. Ok. Il s'est positionné au contact. On ne devrait pas être naïf hein, pour Fnatic. C'est hein. Une position connue. On pourrait lui mettre une nanite, hein, notamment pour Alphaya. Mais on va aller chercher Snow One du côté de Kiwi. Non, on s'est fait choper du côté de Moj pour Alphayer. Bon, le spike va pouvoir être amorcé. Attakaptan ici, Chronicle Castle en main, il est repéré je crois. Attention, Derke qui se pique, mais Attakaptan qui va le dépunir directement. Attakaptan couché par Chronicle, mais Mr. Fallin qui est coincé. Léo qui est ici, mais tu l'as dit, le confinement peut-être d'Alphayer pour faire la différence. Ouais, mais Kiwi, ah, Kiwi moche. Sur le yellow qui va chercher un doublé hein, autoritaire. Il ne reste déjà plus que Chronicle. Condamné à jouer un 1v3, il doit respecter ce confinement. Autant dire qu'il a le rune, il est mort, il l'a bien compris. Il va essayer d'aller sauvegarder. Ah, je pensais que c'était, j'imaginais que c'était confirmé dans la fire, mais pas du tout. C'était bel et bien Moj qui avait amorcé pour sécuriser, bien joué de la part de Foot qui, honnêtement, sont extrêmement rigoureux. Ils font attention, j'aime beaucoup hein, la manière de jouer. On conteste beaucoup le A, on fait crasher pas mal de stuff. D'ailleurs, on part en slow en B, on sait qu'on peut profiter de ce mur hein, de routine qui est positionné de la part de Attakaptan. Et gros boulot aussi hein, de la part de Kiwi hein, sur le yellow, ouais. En tourelle. Alors qu'il en fasse un, très bien, c'est l'effet de surprise, mais le deuxième, il était très rapide. Très solide. Bon, là pour l'instant, Foot. 2-2, est-ce qu'on va call une pause tactique du côté de Fnatic? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va renforcer, on va juste... Ah, 4 sur un achat moyen. Ok. Ok, Fnatic. Toujours de quoi être dangereux. Ouais. Tous les runes. Ok, égalisation pour Foot. Et est-ce qu'on va avoir un jeu agressif ça, sur l'extrémité A côté Fnatic? Ouais, ça semble être le cas. Alors, Ekon est géré par Derke. Attention, il pourrait se prendre des,
tire à travers, hein. Si ça a été repéré, il ne le sait pas. On a réussi à passer ici. Derké, voilà, il prend une rafale. Attention, Vaz d'HP, ça va activer le heal. On est conscient qu'il y a un joueur au niveau de la nest ici. Derké qui va se retirer des parties de Kiwi, dash out. Et finalement, ce trade sera favorable à Fnatic. Hein. Ouais, propre, hein. Belle phase de jeu. Ouais, on ouvre la ligne pour Buster. Est-ce qu'il a touché? Non, il n'a pas touché. Pas touché. Et pour le moment, voilà, on patiente. Et moi, je voilà, qui reprend encore une fois ses esprits, qui va foutre slow jusqu'au yellow, prendre de l'espace. On avait la bonne idée hein, sur Derke, hein, côté foot. Hein. Il y avait les wallbangs, il manquait une petite balle pour aller le choper. Bon, allez, attention, Léo qui va faire peut-être prank par le mur. Le mur se descend ici. Léo qui en prendra finalement 0. Moche qui est très loin HP mais qui a esquivé. Hein. La mollo de Buster, ça passait pas loin et crac, ici, à travers. Ça joue bien en foot. Hein. Ils jouent très très bien. C'est certes, c'est très lent. Mais c'est méthodique. Ouais, mais ils savent qu'ils peuvent pas se commit dans un amorçage. Faut aller chercher une zone, faut aller chercher un défenseur. Ouais. Et ils le font à chaque fois. Pour l'instant, ils n'hésitent pas vraiment à prendre leur temps et ça leur réussit. Allez, hein, c'est pas terminé. Hein, toujours ces tri-take à devoir gérer pour les joueurs turcs. Mais bon, ils ont un joueur supplémentaire. Ça devrait normalement bien se passer pour eux. Fire, il va perdre un joueur. Ok, attaque captain qui prend des dégâts. Est-ce qu'on peut réussir à l'aider? Les slow, non, Krax, ici qui va coucher le joueur turc justement. Derke qui veut venger. Derke sur un premier kill sur Krax. Mais attaque captain, encore une fois, est invincible, intuable sur son yellow. Et en plus, voilà, il va se débarrasser de Chronicle grâce à Moj. Il y a les bons trade kills et tout. C'est appliqué. Et en plus, on se positionne. Oh ouais, on s'est appliqué en foot. Hein, ça joue vraiment bien. Petite naïveté sur. J'allais dire petite naïveté, mais non, en fait, c'est même pas une naïveté hein, sur Derke parce qu'on met le wallbang, mais on pense pas à checker dans les derniers instants. Et au final, on perd cet open kill. Et après, voilà, en tout cas, la phase de jeu proposée au niveau de ce B, après un point d'appui, en tout cas, un fake sur le A, une présence sur le A, bah, à chaque fois, c'est bien. Hein. On a vu sur un round, ils allaient aller chercher Snowman, mais ils ont été gênés. Là, ils n'hésitent pas à attaquer Captain, on l'a vu plusieurs fois, cross son wall, aller chercher un kill en fait. Ils veulent un peu déstabiliser la défense, ils veulent pas se prendre le contre-stuff, en tout cas le full contre-stuff. Et ça marche bien. Hein. C'est une bonne réponse au style de jeu Fnatic défensif, surtout que le round, on l'a vu, hein, il a commencé en 5v4 contre Fnatic et ça s'est fini par être emprunté par foot, donc il faut être vigilant. Je pense que Buster à lui seul ne peut pas couvrir. Voilà, tous les petits timings lents récupérés par foot qui pour l'instant ont bien profité de cette faiblesse. Et post-statiste, hein, comme on le présentait justement du côté de Fnatic. C'est maintenant, on retente l'opérateur pour Derke. Ouais, ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Et peut-être justement, voilà, les infiltrations que proposées par foot au niveau de ce site B, c'est peut-être ce dont on va parler. Hein. Buster, c'est lui hein, qui défendait le B à plusieurs reprises. Donc là, on va peut-être se dire, ok les gars, ils viennent nous chercher en slow. Alors peut-être qu'on devrait un peu plus se battre au niveau de ce B. Ou alors on joue la retake, on assume, hein, on joue vraiment le snowman et on attend. Ouais. En tout cas, on va le voir, il est à la fin de la post-tactique. Est-ce que les joueurs Fnatic ont trouvé une solution aussi hein. Moi, je vois l'ulti d'Alpha depuis pas mal de rounds, faudrait l'utiliser. C'est vrai qu'il est depuis un bout de temps. Alors on va positionner Derke au niveau du B. C'est un peu sa zone ici, mais what a captain qui prend quelques dégâts. Oh, attends, c'est pas trop mal. Rapide, hein. C'est très rapide hein, ce que fait Atacaptain. Oh, il est repoussé, ouais, il fait demi-tour. Il a dit ouais, non, trop dangereux. Ah, mais au moins il se débarrasse de la rimbot en vrai. Hein. C'est pas si mauvais que ça. Après, il prend quelques dégâts. Heureusement qu'il est pas mort, hein, honnêtement. On voit le drone, attention sur. Ce site A du côté de Mr. Fallin. Aucune info. Ok, Buster est passé sur le A maintenant. Et on fait confiance à la Sage et à Derke hein, pour le setup défensif du B après la post-tactique. Mais bon, là, en foot, ils ont changé de plan de jeu. Ok, exact à 5. Hein, on va faire de l'icebox classique. On envoie l'ultimate du côté de Léo. On trouve un kill. Il va trouver d'autres dégâts. Résurrection claqué du côté de quoi. Ouais, l'ultimate de Viper qui est placé extrêmement bien côté attaque captain. Il y a un drone qui part du côté de Léo. Attention, on a réussi à attaquer un joueur. Il y a un deuxième Ferratosan qui part du côté, notamment de Mr. Fallin qui va réussir à détruire le confinement de Léo. C'est pour ça hein, qu'il doit garder, à mon avis. Trop compliqué à placer en présence de cet ultimate. Ouais, du coup, Attack Captain, il a toujours sa position forte hein, dans son ultimate. Ouais, on est en train de se baigner dedans du côté de Derke. Mais il a qu'un point de vie et c'est loupé. Oh, attention, la belle vengeance du côté de Krax. Mais il est low HP maintenant. Oh, juste avant de mourir, il a assumé son kill. Et Kiwi qui éliminera Léo. Kiwi le doublé. Et il va aller chercher le triplé. Non, mais il y a le trade kill de la part de Moj. C'est le quatrième round pour les Turcs. Très, très solide ce round de la part du foot. Il était méthodique de A à Z. On pose le mur. On plante le spike. Certes, bon. Un joueur se fait récupérer, résurrection de Krax qui a été utilisé, on se replace, confinement posé par Alphager, pas de problème. Même si c'est un fureur de chasseur, bam. Même si c'est un round classique Icebox, bah, le travail il est là. En fait, il est fait correctement en fait. Ouais, ouais. Il n'y a rien de laissé au hasard. Les réactions sont bonnes, le skill est là, on le voit sur Kiwi. Et là, ouais. On néglige pas aussi la petite présence à faire mid, hein, comme on a vu Attack Captain le faire au tout début du round. Nice.
Et ça repart. Côté de Foot qui prennent l'avantage. Oh, attention, Fnatic qui se font boxer sur Icebox, ce serait une première. Voilà, attention, un booster déjà en contact avec une arme du démon, donc il pourrait trouver un kill. Et on a aussi des Kunai de Derke qui sont là et on est très très prudent. Atacaptan ici qui joue justement avec un de ses teammates, c'est Moj. Atacaptan qui aura l'occasion peut-être de laisser sa place pour Muj hein, sur Lotus, on verra. Ah oui, c'est vrai. Oh, Buster. Oh, il a un timing de fou. Oh, il va récupérer. Non, mais Moj qui tient. Moj qui ne tombera pas sur ce duel. Bien joué de sa part. Il prend quand même une petite claque. Mais ça ouais, ouais. Le bon timing. Il l'avait trouvé, mais pas suffisant. Pas récompensé de capitaine. Ouais, on pourrait avoir Moj et Muj dans la même game. Bon courage à nous. Yes, merci. Je suis pas encore remis d'hier complètement héros. Hein. Je suis pas te le cacher. Ma voix n'est pas encore revenue. Ça va revenir. Pas de soucis. Allez, en tout cas, du côté de Foot, on s'est regroupé. Voilà, on a trouvé un open kill. On a patienté. Exec. Au niveau de ceci. Ah, il y a tout de même trois défenseurs. Mais bon, Kiwi, il en a rien à faire. Trouve l'open kill sur Chronicle. Vengeance de la part d'Alpha hier. Il est dézoné. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Oui, avec 27 points de vie. Il y a trois joueurs qui vont réussir à passer. On met le maul justement du côté de Krax. On a Kiwi qui est très loche pour la Shock Dart qui pourrait faire mal. On trade l'arme avec Léo. Bon, Kiwi, il a plus de points de vie. On vous découvre des Darkés. Bon, attention, il y va, le Kunai, il trouve le premier kill, il avait juste un Kunai à mettre, belle vengeance de la part de Moj, Léo sur Moj. Ça laisse croire en 1v2. 1v2, Derke, les Kunai, il pourrait juste dash in, grade click, ça serait pareil. On va réussir à passer, Derke, qui va réussir à trouver des kills grâce à des joueurs très low HP. Beau travail hein, de temporisation des joueurs du ALA. Côté Fnatic, qui remporte, c'est une sorte d'achat un peu forcé en plus, je crois. Hein. C'était un peu. Il y avait un joueur, Derke était au shorty avec les Kunai, il y avait Buster au Frenzy. Donc c'est une économie. Bah, c'est surtout Alpha Air là, avec sa Guardian qui trouve un double kill et surtout celui à 27 points de vie. Ça les met dans la sauce. Hein. Foot, il n'y a pas photo là, et pourtant, bien. Ils avaient plutôt bien joué le rôle, je trouve. Hein. Très patient, on sait que c'est du petit achat, de l'écho en face, donc on patiente, on attend les erreurs. Ils en ont puni une erreur, notamment celle de Buster hein, qui se donne au niveau de l'extrémité. Et ensuite, on redirige, on exec à 5 ensemble. Bah, sur le papier, c'est tout c'était ce qu'il cohérent, fallait faire. C'était hein. Cohérent, effectivement. Oui, bien sûr. Mais bon, c'était sans compter sur Alphayer, hein, le doublé au Guardian. Aïe. Boss. De retour, hein, évidemment, Mr. Follin. On va refaire la même chose encore une fois. On va laisser les joueurs contrôler les extrémités du côté de Moj et de l'attaque-captain. Et toujours cette routine de pression, drone en A sur les premiers temps. Et on a sorti le premier sniper, hein, je crois, sur Kiwi en attaque. Ah oui, exact. Bien vu. Va être déposé du coup, qui va ouvrir sa ligne petit à petit. Ouais, ligne par ligne, hein. On va tout dézonner. Le problème, c'est que ouais, là, il faut pas, surtout pas se donner. Buster qui, en réaction, peut aussi plus ou moins poser son ultimate en reprise, ça peut être intéressant. Ok, le round devient un peu plus clair là, côté turc. Fake B, retour A, a priori. Ouais, bon, c'est un léger fake, quoi. On a fait une présence. Ouais, c'est grossier, mais encore une fois, ça fixe toujours deux joueurs. Hein. Derke et Chronicle ne bougent pas. Pour l'instant, on est vraiment fixé. Contrôle du mid qui est fait par Alpha Air. Oh, puis de toute manière, le plan de jeu Fnatic, il est semblé assumé. Ok, là, voilà. Bien. Buster, il a compris le timing, il a entendu l'orbe. Il envoie son ultimate. Oh. Et oui, c'est déjà le deuxième ultimate de la part de Moj. On a récupéré l'orbe. Est-ce que Buster va rester dans son outil ou pas? Question que je me pose. Est-ce qu'il va vraiment jouer à... Non, il va partir. Ok, ils vont respecter. Non, il va rester. Il va rester, mais il ne sera pas récupéré normalement. Ouais, il a temporisé jusqu'au bout. Mais ouais, il ne pourra pas... conserver son ultimate, le spike va pouvoir être amorcé. Kiwi, il est déjà en contact hein, avec ses Kunai, il pourrait être réellement dangereux. Ouais, Mr. Fonin, il a repéré l'arme bot. Pour l'instant, il n'est pas repéré. Et il va avoir un timing précieux à prendre. Oh, il est vu sur le dernier temps de drone ici, Kiwi qui doit repartir directement. En plus, on le voit avec l'opérateur. Attention, on reprend depuis les crises. Derke qui va se recoucher par Krax. Ici, on va décaler au niveau de la hauteur, mais on ne peut pas. Il y a des slows. Il y a des slows et Mr. Fonin qui a fait le grand tour. Oh, il était vu. Oh, il est chiant. Oh, il est tellement chiant. Il fait perdre du temps. Il reste en vie et Krax qui va chercher le doublé. Mr. Fonin fait un travail monstre. Regarde, il focus. Il se focus sur lui. Il reste vivant. Et il a compris maintenant qu'il a gagné le round. Ouais. Oh là là, Mr. Fonin, le big brain. Il très très gros cerveau. Il a détruit l'Harmon, il a couru Kitchen. Et du coup, il les a focus pendant tout le round. Les trois joueurs étaient en mode où est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on essaie de le tuer? Est-ce qu'on essaie de le reprendre? Mais derrière, pendant cela, tu as vu un Krax. Il en profite pour aller prendre un ou deux kills en plus. Il est chaud, Krax, hein, parce que il veut assumer son duel. Il va se taper. Hein, il crosse le wall de Buster et il gagne son duel. Hein. S'il perd son duel, le round il aurait pu être sacrément plus compliqué. Ouais. Mais bien joué à lui. Bien joué à lui, effectivement. Alors, en Fnatic auront toujours des sous pour racheter quoi que non. Encore une fois, c'est Buster hein, qui va en faire les frais. Mais ouais, Buster qui a bien compris hein, que ça allait finir en A, il est l'ultime et voilà, il décide de rester dedans. Et voilà, il est un round simple hein, pour Foot, il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Il fait une petite présence sur le B et on a juste joué sur l'ultimate de Moj. Voilà, le deuxième hein, débloqué pour lui
sur ce 7ème round. Ça arrivait très vite, hein. Moi j'ai un 8ème round. Vraiment 9-3, hein, Moj. Littéralement 9-3. Ça va vraiment assez rapide. Bah, il a les kills, hein, il va chercher les orbes. Amorçage aussi potentiellement, hein, si jamais. J'avoue que j'ai pas trop fait attention s'il a amorcé ou pas. Mais au vu de la vitesse à laquelle il a chargé, on imagine que oui. Alors, post tactique du côté de foot, ils ont gagné le round, certes, mais à mon avis, peut-être autre chose en tête du côté de l'équipe turque. Qu'est-ce qu'ils nous réservent, hein. En tout cas, j'aime beaucoup leur attaque. Hein, c'est très rigoureux, on l'a dit tout à l'heure, très terrible, très peu d'erreurs. Hein. C'est appliqué, hein, et c'est ce qu'on disait aussi, hein, c'est que bah, forcément, ils ont de la data, hein, sur l'Icebox de Fnatic. Oui. Hein, c'est sûrement la meilleure équipe dessus, donc forcément, toutes les équipes vont regarder en tout cas ce qui s'y passe sur cette carte d'Icebox de Fnatic. Donc, c'est dur aussi de se renouveler, hein, sur... Ouais, c'est vrai, bah, quand t'es le premier, c'est dur de... Il y a tout le monde qui te regarde, c'est et ça. Bon... C'est là où une équipe comme Navi, Excel par exemple, eux ils ont vraiment des one-shots, ils n'hésitent pas à changer, ils bousculent ça, leur méta. Gros chiffre de méta, de compétition, et on est reparti hero après cette interlude tactique du côté de foot. Et côté Fnatic, on laisse Buster toujours au niveau de ce A, avec trois joueurs, hein, notamment DRQ et Chronicle, et Buster qui repart instantanément, mais Attack Captain est déjà passé, il est sous le boiler. Il est là. Sous le boiler. Non mais la pose d'Attack Captain, et il va avoir toute l'info sonore. Hein. Là, il peut donner toute l'info. En plus, Mr. Follin accapare l'esprit des joueurs. Attack Captain, combien il en fait? Il fera le premier, il n'y a pas de deuxième. Oh, il reste vivant. Ça joue bien, hein. Attack Captain. Ouais, il sera réceptionné tout de même par Buster. Il a fait son travail. Attention, on va arriver au niveau du A là pour les joueurs de foot. On va cross le mur ensemble. DRQ peut-être pour tenir l'initiative sur les cailles en coup d'épaule. Ouh, c'est bien joué, Mr. Follin. On prend juste derrière. On prend de l'espace. On monte dans la nest. On pose le wall. Mais Kiwi se débarrasse de Chronicle. Ah, attention, le kill de Mr. Follin, là, il pourrait être important. Oh, on s'en sort bien avec très peu de points de vie, hein, du côté de Buster. Krax qui prend ses responsabilités une nouvelle fois, hein, qui va chercher Zilt sur Derké. Alphire qui arrive dans le dos, on peut rien faire. Mr. Follin acculé de tous les côtés, puni par Léo. Belle réaction de la part de Fnatic qui va chercher le 4ème round. Très très peur, honnêtement, à ta captain qui a fait le move de début de round. Il prend son kill sur un Léo, qui a un couteau en main. Et derrière, il y a Buster qui punit très bien. Qui imagine juste à ta captain qui a un peu plus de trigger discipline, qui attend, il peut choper entre 2 et 3 joueurs. Et là, ça fait round, hein, directement. Bon, il a voulu. Sa décision est pas mauvaise, hein, vraiment pas, hein. Non, il prend le kill, il veut rester vivant, être chiant, bah, comme l'a fait Mr. Follin au round d'avant. Sauf que bon, là il se fait réceptionner instantanément par Buster. Mais là on peut rebondir, c'est aussi que ça met aussi une petite pression Fnatic, en mode les gars, votre mid il est ouvert, hein, donc attention à pas non plus être trop laxiste par rapport à ça. Bah, t'as ça a été pingé, hein, par Alphagir au début, mais voilà, t'as un free joueur qui meurt de profil par arme en main, ça peut faire tilter très rapidement. Allez, on est reparti. Encore une fois, les deux équipes peuvent acheter sans aucun problème. Attends, voilà, il est dans son royaume, hein. Dans le mid, c'est chez lui. Et on va commencer à avancer petit à petit. Par contre, la DRK qui s'est mis au niveau des screens. On a vu qu'un dépassé, ça passera pas pour DRK qui se repositionne du coup. S'il n'y a pas l'alarme bot mid, c'est qu'il est mis au niveau de ce bait. Hein. C'est pour ça qu'on est obligé de checker ce mid à la mano. Et voilà, dès qu'il y a le poison d'Attack Captain, bah ouais, faut rechecker en fait, c'est chiant. Et oui, mais une vraie pression sur la map, Attack Captain. On ping de tous les côtés. On sait pas trop si ça passe, Attack Captain qui est une vraie menace, même avec Moj, hein. On repense au début de la rencontre avec le B, où ça passe très facilement, on arrive à accéder au range même. Là c'est simple, hein. Foot, ils font rien sur la carte, ils mettent juste la bulle d'Attack Captain dès qu'elle est disponible dans le mid. Et ça fait, en tout cas, ça inquiète Fnatic. Hein. Et maintenant, voilà, la fin de round commence à se dessiner. On va à gros ce site B. Alors là, est-ce que Kiwi va tenter le dash-in sur Lilo? Alors, va dévoiler ici la position des joueurs foot. On essaie, voilà, de mettre un petit spray dans le sol au cas où il y ait une nanite. Et pendant ce temps-là, Kevin ne bouge pas. On envoie un confinement du côté de Alphire qui va essayer de contester la plante ici. Oh, Krax, il prend une de foot. Mais oui, on prend double stun, évidemment. Oui, il n'y a pas la place, Moj. Il faut aller courir un peu plus loin. Et il reste plus que 15 secondes. Ils vont chase. De Ditten, ils vont y aller, je pense, du côté de Fnatic. On a Chronicle qui est en train de recevoir un autre bout du côté d'Attack Captain qui est en train de s'enfuir pour sauvegarder l'arme. Et le Spike, tu l'as dit, est au milieu du BP. Il ne se passe rien, ils ne peuvent rien faire. 3 secondes. Attention à ne pas perdre trop d'armes, peut-être, du côté dehors. La coupe de Mr. Follin, il est au spawn. Il est au spawn de la défense, il n'a pas pu jouer son round. Hein. Ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Bravo. Bravo Fnatic. Et il rompt petit à petit, hein. Finalement, le site commençait bien pour foot, mais là, on sent que.
Ça marche plus trop, hein, c'est le, ce jeu très très lent. Le combo Nanite plus Poison Booster, les points de vie, alors c'est de Crax, hein, je crois, qu'essayer d'amorcer le spike. Ah, il s'est fait, ouais. Il s'est fait détruire. Hein. Nanite plus les Crotifères. Plus le confinement d'Alphaïr, et c'est ce que ça coûte de jouer aussi le round dans les 20 dernières secondes, alors qu'on sait qu'il y a un confinement en face. Bah voilà. Bien joué hein, de la part de Fnatic. Oh, attention Derke, il rentre en Derke Time ici, mais il prend quand même pas mal de dégâts. Hein, 30 HP pour le dueliste de l'équipe Fnatic. Il va pouvoir aller chercher son heal normalement pour. Regarde Léo. Sur Chronicle. Et voilà, Léo qui va peut-être se faire oublier là au niveau de ce Nest. Pas checké du tout hein, parce que là il y a 4 joueurs. Ouh, Kiwi qui met une dinguerie là sur Chronicle. Et ça repart. Chronicle, il est venu heal Derke et voilà. C'est tout. Fin de round. Je sais pas s'il avait son reste, je crois. J'ai pas fait attention. Non, je crois pas. C'est vraiment moi qui l'a pas utilisé. Ok, on va essayer de composer le round là où ça n'avait pas fonctionné précédemment pour Foot. Il y a un mur, on comprend pour Fnatic, on sait qu'il reste, certes il reste encore qu'une minute, mais on pressionne les choses ici, choc d'art pour péter le setup. La bulle de Buster pour empêcher d'amorcer. Et cette fois-ci, ils sont là beaucoup plus tôt, hein. Ils sont pas dans les 20 dernières secondes, il en reste 45 et surtout, il n'y a pas de confinement. Le spike va être amorcé sans aucun problème. On va aller chercher le Snowman, Derke qui trouve le premier kill. Derke, le doublé. Attention, il va peut-être aller chercher au troisième kill. Hein. Et qu'on envoyé, non, on n'ira pas plus loin du côté de la Takata, on va plutôt jouer voilà, en post-pet. Ici, mais la bonne mollo justement de la part de Buster qui a été envoyé ici. Alphajor qui reprend depuis Léo, mais Mustafa va réussir à faire un kill. Attention, on perd un petit peu. Pied là du côté Fnatic, ça prend un petit peu de temps. Surtout que bah, Foot là, ils ont réussi à se positionner, mais le spike est quand même amorcé très long, très long, très lointain. Pardon. Alphaïr hein, qui trouve le kill sur Attack Captain, ça relance peut-être éventuellement le rune. On va pouvoir toucher ce spike, mais il y a l'analyse qui est Derke, voilà, qui va aller chercher un troisième kill. Ça tient pour Moj, mais il a 26 points de vie face à deux joueurs. On a touché le spike, on assume la ligne. Et c'est Derke, le quadruplé. Derke qui switch entre Operator, Dubdraft, il reprend une Vanda animée de balles après derrière. Merci Mister Darky pour les travaux. Pourtant on a compris quand même la tentative du côté de Foot d'aller planter très loin, prendre le spawn. Ils se sont peut-être un petit peu trop compliqué la tâche. Sur l'opérateur ouais c'était sûr. Parce que bah, ils avaient l'avantage numérique aussi. Ils avaient peut-être pas besoin d'aller chercher ce snowman, d'être aussi agressif. Ils auraient pu amorcer ce spike. Hein, Alphaïr ni personne n'aurait pu contester. Mais bon, ils ont voulu aller chercher snowman, aller plus loin. C'était sans compter sur le sniper de Derke. Bien joué à lui. J'ai lu ça que ce sniper n'est pas trop payé. Et là, regardez, oh, je crois qu'on va tenter une petite dingue, une petite sucrerie du côté de Fnatic, puisqu'on a double opérator côté Derke et Alphaïr. On a vu ça hier avec certains frérots. Ouais. Oh, bien joué, Derke. Oh, bien joué, hein, ce pic ici. On veut contester, on va prendre de l'espace pour Kiwi, mais malheureusement, on se fait avoir. Il y a un reste hein, disponible, mais bon, c'est une position assez délicate. Ouais. Ça va demander de claquer le wall normalement. Vas-y, on dégage en slow, mais non, Alphaïr qui tire la ligne. Oh là là, incroyable. On se fait manger le cerveau là du côté de Foot. On va pouvoir raise hein, là normalement sur Attack Captain. Et on en a besoin puisque c'est la Viper. Ça ferait du bien d'avoir le wall. Un pic ici, la Molo qui est positionnée. Attention à Moj, quand même, qui prend de l'espace. Moj, on a un booster qui décale et qui va réussir à punir. Il va aider son teammate. C'est bien joué de leur part. Attention, le cross à placement de la part de Fire était presque parfait. Mais on finit par amorcer du côté de footballiste héros. Reprise ouais, mais... 5v ou 4v. Ouais, j'allais dire, ils vont se prendre une reprise là. Ça va être pas drôle, mais bon, ok. Derke qui tombe directement. Ça rend round jouable. Ouais, une molo claquée de la part d'Atta Captain. Oh, attention, la molo qui est envoyée aussi du côté de Buster. On prend de l'espace, il y a les slow, il y a les stuff de partout. Des deux côtés, du côté de Fnatic et de Foot. Ici, Buster qui va réussir à pick, vengé par Krax. Krax ici, qui doit tenir bon. Qui doit réussir à escorter ses teammates. Mais là, Alphaïr est en train de tout démolir. Le wall peut-être de Chronicle qui a lâché. Ouais, il a lâché un. Ouais, on ouvre sa ligne. C'est tenu par Alphaïr. Et c'est le 7ème pour Fnatic hein, qui était en difficulté sur ce début de carte d'Icebox. Et finalement, ça tient. Effectivement, ouais, très très belle remontée. Hein. Fnatic qui commence le side extrêmement mal. Il y a 2-1, mais on va pouvoir justement vous envoyer Veristo et Weeper. Messieurs, c'est à vous. Merci les gars, ouais, petit passage pour bah, débriefer cette première on va dire, mi-temps. C'est vrai que les Fnatic ont un peu eu peur je pense au début de side, c'est vrai qu'on a le piston, on a l'anti-écho et directement footballiste qui répond, qui recolle au score et qui a su se montrer dangereux quand même sur le début de side. Ouais, franchement ils ont été plus impressionnants j'ai envie de dire que face à Giant sur cette même carte où on avait bah, justement, là on a changé de composition pour Fut, on repasse sur les classiques, ça fonctionne bien. On a un Krax qui, sur Sage, a beaucoup plus d'impact qu'il l'avait sur avec sa Fate, pardon. Et bah, un Kiwi qui n'hésite pas à rentrer très très fort. Mister Fallen qui fait tourner un petit peu toutes les têtes également. Mister Fallen était très fort en lurk là. Hein. Il fait son kitchen, il fait perdre du temps, il casse les robots d'alarme mid, il va choper des joueurs.
ils ont l'air ils ont quand même réussi à plutôt bien mettre cette pression sur les Fnatic qui au final ont quand même retrouvé un second souffle sur la fin du side avec beaucoup de retake aussi bien en A qu'en B, le wall de Chronicle qui est toujours là pour désamorcer les couvertures, les trade kills qui ont l'air d'être bons. Donc bon, la Fnatic a eu peut-être une petite frayeur, on peut dire ça, sur le début de side, ouais, mais hein, clairement, hein. Ils ont vite retrouvé leur rythme. Bah ouais, de toute façon on l'a vu hein, dès le 5ème round ou le 6ème on envoie une pause tactique du côté Fnatic, ça veut tout dire. Enfin on sait qu'il y a un problème, on a bien travaillé côté fut et on essaye d'endiguer le maximum en fait la menace. Mais derrière, d'un point de vue, ils sont vraiment impressionnants ces fuites, second souffle. Et là, c'est vraiment cet écho là qui passe, qui retourne, je pense, clairement le, on va dire l'issue du side. Ouais. Globalement, avec Alphayer qui, avec sa Guardian, fait quand même grosse différence. Derkier rentre enfin dans son match aussi, ouais. Parce qu'il n'avait pas eu tant d'impact que ça. Et là, des petits open kills, mais pas de multi kills. Histoire c'est de ça. Et c'est vrai que sur la fin du side, il commence à faire ses multi kills. Quoi. C'est vrai, on l'a vu plusieurs fois perdre des duels en 1v1 ou autre. Là maintenant, c'est premier qui passe, il est mort. Quoi. C'est du Derkier tout craché. C'est ça, donc vraiment un match en 3 temps. Début fort de Fnatic, des footbits qui recollent tout de suite, voire même arrive à être dangereux. Et puis une fin de side maîtrisée des Fnatic qui font retake sur retake sur retake et des kills joy comme d'hab, un peu, hein, mais qui brillent. Bah ouais, là, Alphayer, il nous sort une performance excellente. Il a 17 kills, je crois, 17-5 pour le joueur de Killjoy. Bon, c'est un peu sa carte aussi à la Killjoy, la Icebox. Il y a beaucoup d'impact, on met beaucoup de dégâts un petit peu partout avec les nanites. On contrôle aussi une grande zone avec le stuff. Donc, non, c'est nickel chrome. Et puis en vrai, enfin, les deux joueurs sont très forts. Absolument, trop forts. On va donc voir si footballistes peuvent continuer à inquiéter Fnatic sur le second side qui arrive. Tac. Et merci les gars pour cette analyse de halftime. On est reparti directement pour le pistol. Fnatic en attaque, foot en défense et on est très agressif hein, du côté de Kiwi. Et de Léo également. C'est Léo et Chronicle qui tire la réfangle du jeu. Il ne reste plus que Mr. Folin. Est-ce qu'il va pouvoir être puni? Kiwi également. Et finalement, on est en train de repartir. Ok, on s'en sort avec un avantage numérique pour Fnatic. 4-4 dans le B-long là au niveau du garage et de la longue. Et on a seulement un setup retake du côté de Moche qui va avoir beaucoup à faire ici en 4v3. Il va être en 1v x, littéralement. Drone envoyé pour tuer les contacts. Il n'y a personne au niveau du maze. Kiwi qui est déjà dans le dos. En vrai, c'est pas trop mal hein, parce que l'Alphayer, il va potentiellement être en danger. Attention, il va réussir à voir justement Mr. Folin. Comment ça? Le 6ème sans Alphayer. Le 6ème. Comment sans ça, il va être en danger? Il n'a même pas de tic-tic. Il était déjà là. Quoi. Bon, il en a fait. Hein. Il fait du 1 pour 1. La mission est remplie. On sait que Kiwi maintenant, il est dans le dos. On a essayé de faire bait. Hein, de bait Léo là, mais Léo, il garde sa ligne. Est-ce qu'on va pouvoir lui mettre un bon clic droit? Oui, c'est fait sur Kiwi. Il ne reste plus que Moge en 1v3, il y a sûrement aussi des ouais voilà, bon, hein, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, Chronicle, on a rien à faire. Quand tu dis mec, Hero arrête toi, Hero il finit le round, très très solide, hein, pistol, on a vu que voilà, il y a un pari qui a été tenté du côté de foot, ça a pas payé, classique on le rappelle, arme gratuite hein, Hero, hein, voilà, hein, qui a fait la différence, Alphayer en 18-6. Oui, bah c'est Alphayer contre foot, hein, écoute. Alphayer Esports contre Fnatic. Tu vois, c'est rassurant de le voir à ce niveau parce que c'est, je pense, le joueur qui m'a pas déçu, mais le moins impressionnant de ce début de saison côté Fnatic. Et voilà, s'il peut sortir des games comme ça, bon, c'est qu'il est solide. Hein, ouais. Bon, ce round ne sera que poubelle. On va passer au suivant. On va même trouver un kill pour Mr. Folin. Ouais, on a tenté un stack, on a tenté quelque chose. Les joueurs Fnatic étaient bel et bien là, mais bon, on voit le résultat. Ouais, on est vraiment ici, on est comme des bouchers, hein. On va décaler ici, attention quand même, Moche qui prendra un kill sur Léo, mais on ne perdra aucune arme du côté de Fnatic à part le ghost de Léo. Ok, un round d'éclair, c'était le round d'écho, hein. Foot tente des choses, hein, on le voit, hein. La défense à 4 pistoles, là on tente un stack, les idées étaient bonnes, hein, puisqu'à chaque fois les joueurs Fnatic se présentent à eux, mais les kills ne sont pas trouvés. La différence des armes qui toujours hein, prime. Comme à leur habitude, et bonus héros pour Fnatic. Comment ça, bonus? Comment ça, bonus? Ça n'existe plus, hein, les runes bonus. Il y a 4 armes lourdes et un bulldog. Ça n'existe plus, les runes bonus. Wow. Hein, quasiment plus. Hein, regarde donc, leur crédit, mec. 3000, 2200, 1700. Ah oui, ils sont royal au bar. On peut racheter tous les runes. Ah, attention, c'est un round dangereux et on a compris hein, du côté de foot. On repart sur un setup classique avec notamment. Voilà, hein. La Killjoy de Moche qui va checker le mid comme l'a fait Alphayer tout à l'heure. Tourelle pour la kitchen. Et cette fois-ci, on a quand même un peu de support hein, pour Mr. Fouine qui joue depuis le Snowman pour épauler Atta Captain. Allez, hein, maintenant c'est qu'une question de secondes avant que l'exécution puisse partir.
C'est dommage parce que Kiwi il a pris une position intéressante dans la NES, il sera pas du tout, il va pas jouer sur lui quoi, donc il sera okay, un peu useless. C'est pour où cette mode, c'est pour le backside. Joli. Je sais pas trop, c'est pour le orange j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait? On est patient, Fnatic pensant qu'il décide de pas activer tout de suite, on va attendre la fin du poison et le retour du poison aussi de Buster j'imagine. Et ils veulent faire crasher les stuff, hein, notamment ceux, ouais. Ceux d'Attacaptan, les nanites de Moj. Attacaptan a un. Encore une mollo envoyée. La Recon n'est pas trop mal. On met le mur ici très deep de la part de Chronicle, c'est pas mal ici. Du coup, Mr. Fonin il est un peu coincé ici, on va décaler justement du côté de Chronicle, mais c'est Krax qui va faire tomber deux hommes du côté de Fnatic ici. Bon, pas loin du triple, hein. Il fait une très bonne game Krax. Et attention, il y a une coupe hein, qui est en train de s'opérer également. Oui. Alphayer qui tient face à Moj, qui l'attendait. Mr. Fonin trouve un adversaire, mais Alphayer la coupe pour aller chercher le doublé alors qu'il était attendu. Oh, et dommage, ce hein. Round bonus. Armée bonus de Fnatic bah, est remporté et là on s'envole au score. Celui-là il fait mal, pourtant tu l'as dit, hein, Krax il fait un super travail, il est là en second temps, il fait doubler, mais le mur de Chronicle était insane parce que Mr. Fonin du coup il peut rien faire, il peut pas aider son teammate, Attacaptan qui était bloqué aussi. Et Alpha, je te dis la coupe parfaite, complètement, il se rate pas, il décale accroupi, sorti du tube, bam, deux balles. Et bien ce Logitech Power Up sera remporté par Fnatic qui, vraiment une très belle avance. Chronicle a déjà son raise. Et Echo hein, pour Foot qui est en train de subir. On pourrait quasiment plier ce match au round suivant hein, pour Fnatic. Ça peut aller très rapidement, ouais. Parce que maintenant les rounds vont compter doublant. Tu l'as mentionné. C'est de l'écho maintenant et tentative de prise du yellow. Mais il y a un drone qui part et là on le sert. Le drone va pouvoir révéler la parole de l'information ici. On a Dirk qui va pouvoir avancer. On a été tag du côté de Captain et c'est un kill qui est récupéré par Chronicle. Attention, il y a encore d'autres joueurs. Dashin du côté de Dirk qui va prendre un kill, même peut-être deux ici. Il mouline et ça passera. Dirk est inarrêtable aujourd'hui. Et il ne reste plus que Mr. Fonin. Ouais, le spike est au sol, mais bon, hein, ça va pas trop être un problème pour Fnatic. On a entendu le joueur dans le dos. Est-ce qu'on va pouvoir le prélever? Oui, c'est fait. Voilà, Alphayer un peu naïf. Et on va pouvoir upgrade sur une vandalite. Hein. Allez, la Champions pour Mr. Fonin, qui on l'a vu, a été très bon en attaque sur les timings, a été très bon en lurk, mais là, on a besoin de sa puissance de feu. Et en 1v3, oh, le round il est mort. Surtout qu'il y a l'ulti de Léo, il y a trop de choses. Il doit cross le wall, il doit jouer 3 trucs. Il a deux chocs d'arts. Ah, j'ai la POV de Chronicle juste en bas là, il appuie sur tab. Vraiment. Attends, je suis où là au scoreboard? Ah ouais. Je te jure, mec, Flaroun là il a vu qu'il s'en tape. Ouais, ah ouais, j'aime pas. Quel droit. En même temps, ouais, il joue Sage, hein, donc. Il était littéralement en tape. 11ème round pour Fnatic, ça va très très vite pour l'instant cette carte d'Icebox. Pause tactique peut-être là côté foot, non? La dernière, là, il faudrait peut-être l'utiliser parce qu'il ouais. Y a peu d'autres occasions où ça pourra être fait. Et apparemment non. Bah, je crois qu'on le. Ouais, on va laisser le 12ème. Hein. C'est-à-dire que celui-ci. Alors il sera armé pour foot certes, mais c'est vrai que j'avais imaginé qu'il y avait quelque chose à faire. Peut-être Tudor va contester, on a un du confinement, on a un du Rez, un de la fureur du chasseur pour Mr. Fonin. Il y a des choses à faire, mais c'est surtout Kiwi à mon avis qui va devoir faire beaucoup. Ouais, là sur sniper hein, de sortie. Oh. Ouais, on tente une première agression du côté d'Attaque Captain au niveau du pipe. L'ultimate a été envoyé du côté de Léo, ça. Pas prélevé personne. Ouais. Ouais, attention, on est repéré au niveau des pipes du côté de Dirk ici, qui met une grosse pression avec sa jet. On est rejoint par plusieurs joueurs de la part de Fnatic ici. Alphayer, ouais, on peut pas prendre l'orbe ici. Ouais, c'est un petit peu messy là ce qui se passe, c'est un peu le bordel. Ouais, échange de stuff hein, de part et d'autre, mais pour l'instant, personne n'a été prélevé. Hein. Très peu de points de vie ont été enlevés aux joueurs. Et on va y aller dans un second temps. J'imagine qu'on attend la fin de la bulle, voilà, on dézone. Le générateur avec l'ananite d'Alphayer, on sait qu'il n'y a personne. Ouais, attention, Toxic up du côté de Attacaptan. Attention, ce mur qui doit être cross ne doit pas être autorisé d'être puni. Dirk n'a pas le droit de faire ça. Dirk qui va réussir à prendre le kill justement sur Mr. Fonin. Est-ce qu'on peut enchaîner potentiellement Dirk qui gagne du temps. Là, la nuage de pose pendant qu'elle est activée de la part de Buster. Et derrière, Attacaptan peut-être. Ouais, Attacaptan hein, qui a trouvé le kill, qui relance le round en 4v4, Buster qui tente sa chante, hein, qui arrose absolument partout. Ça y est, le wall est positionné, Dirk qui surgit, et on a le reste de Chronicle qui intervient, qui oui, trouve un kill sur Chronicle, mais c'est peut-être déjà trop tard. Et oui, Alphayer qui élimine Moj, il ne reste plus que Kiwi, on sait qu'il a ses kunai, le spike est en train d'être amorcé, nice try, il en trouve un mais pas deux. C'est Alphayer qui dit non, et ils vont chercher le 12ème round, les joueurs tactiques. Ils ont 7 balle de map avant d'aller chercher le premier au score, pardon. Il y avait 5-2. Il y avait 5-2. Ils ont mis 10 rounds à la suite.
on se disait, hey, foot, ça joue bien, les intentions de jeu, elles sont bonnes, ils sont récompensés, ça marche bien. Fnatic. C'est adapté. Hein. Bah, en fait, foot a mis une pause tactique, Fnatic a mis des rounds. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, donc bah du coup c'est d'être à mon avis très tiltant et là on l'a vu hein. Ils auraient pu peut-être essayer les armes mais on a décidé de le jouer pour Kiwi. Ouais, il y a pas de choix de toute façon là. Je pense que là c'est il y a trop de retard. Je pense qu'ils sont déjà sur Lotus hein, donc allez, ça part. Tentative de prise d'espace, on a Kiwi qui voilà qui est accroupi en bas du drop ici peut-être pour aller se prendre derrière, ça passe. Bon pour le joueur turc. Mais Mr. Fouine qui a quand même touché Chronicle à sa résurrection. Non, il a pris sa résurrection pardon. Il l'a utilisé au round d'avant. Ouais, c'est Crax qui l'a. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a confinement toujours hein, de possible en 4v5. Et à ta captain, Hero qui a une belle info là, deep dans le main A. Ouais, mais il n'y a qu'une guardiane hein, donc ce sera le headshot ou rien. Ouais, ouais. C'est loupé. Mais au moins il a l'info. Ils sont vigilants, attention, Buster ici dans le mid, dans l'urk. Il va récupérer son stuff. Hop. Ça va toujours fixer le joueur, hein. On envoie une recon du coup très deep dans le tube, on a réussi à marquer, attention la stage de Krax qui doit se retirer, Krax il doit absolument pas mourir. Krax doit rester en vie, il a son raise ici, on va essayer de décaler, Chronicle qui va prendre un doublé sur un spray. Oh Mr. Folin qui va réussir à venger tout de même. Krax doit pas mourir, Krax est le premier à mourir, et tu as Jinx, Mr. Folin, très beau headshot, mais on pourra pas gérer ce confinement. Ouais. 2v3, 2v3, Moj est à 1 du sien. On imagine que Fnatic va vouloir se battre parce qu'ils veulent pas laisser l'espace à Moj qui s'il fait un kill mettra le confinement donc ils vont se battre hein, je pense hein, les joueurs à Fnatic ils ont pas le choix. Ouais, Chronicle il a pas beaucoup de points de vie, on aura 60, hein, 2 balles et il va dans la tombe mais trouve quand même le kill sur Moj, le triplé déjà. Ace. On va décaler du côté de Mr. Fouine, Chronicle il va faire du bail. Ace de Chronicle. Je ne l'ai pas dit, le joueur russe qui va aller chercher cette victoire très très solide. Rien à dire. Ah là les joueurs. C'est toi, effrayant ta fatigue, tu l'as dit qu'ils se faisaient depuis un petit peu dominé et là ils en ont mis 10 d'affilée. Ça ils n'ont pas arrêté. Ça continue, Itar, on se disait est-ce que quelqu'un va aller chercher sur Icebox? Est-ce que bon finalement malgré que ce soit connu, voilà, Fnatic c'est fort sur Icebox, on va quand même réussir à les désorganiser, à aller leur choper une map. Bah là, écoute, non. Réponse de Fnatic. Non, Icebox c'est chez nous, on est dégoûté que la map s'en aille, hein. Bind on s'en fout, on aimait bien Icebox, bah ils ont pas le choix pour ça. ce qui va être incroyable, ça va être au-dessus, c'est justement, on va pouvoir laisser la parole à Istobuper, messieurs, c'est à vous, à tout de suite. Merci les gars, c'est vrai qu'on vous a parlé il y a quelques minutes à peine, et puis voilà, on est déjà de retour pour conclure cette carte, on a cru que pourquoi pas 7-5, il y avait moyen tu vois. Oh, bah ouais, il n'y avait pas moyen en attaque tu vois, Perfect Side on leur a roulé dessus, enfin du Fnatic tout craché finalement sur Icebox qui bah, il démarre tranquillement le petit diesel de la ligue, plus première map tu vois, bon tranquille quoi. Tout ça ils leur ont laissé croire et là bah, c'est vrai que leur scénario en attaque il est parfait, pistole remporté, anti-écho sans problème, le round bonus était peut-être le plus tendu mais ils sont imposés de toute manière, encore une écho maîtrisée et dernier round, Ace de Chronicle, ciao, bonsoir, voilà qui est fait, une maîtrise d'Icebox du coup de bout en bout et ce qui fait que même les replays, t'as vu les replays, ils ont duré... C'était un peu court, je suis d'accord avec secondes. Toi, ouais. Bah, on a vu l'Ace de Chronicle et puis basta. Voilà, c'est ça, c'était peut-être le replay du dernier round, t'as raison. Alors, dans tous les cas, on revoit donc ses stats. Donc Kiwi qui a fait ce qu'il pouvait en vrai, 3 open kills. Et pour le moment, il a même tenu un peu la dragée haute à Derki. Derki qui a quand même fait un décollage en deuxième partie de match. Et surtout Alphayer qu'on voit au top. Alors je ne sais pas si ça a été résolu de notre côté, mais c'est vrai qu'on va pouvoir vous afficher un peu plus en détail les stats de la sentinelle turque des Fnatic. Mais c'est vrai que voilà, il a carry de A à Z. Mais on sent qu'au-delà d'Alphayer qui est fort, c'est quand même une équipe qui est performante. Ah ouais, bien sûr. Bah, ils sont tous capables de clutch. On les voit très impliqués dans tous les duels, tu vois. C'était un petit peu brouillon au début de la game, mais derrière, une fois la pause tactique passée et la deuxième, enfin celle de fut, pardon, donc la première de fut est passée, c'était un autre visage. Et ils ont remonté et ils perdaient du coup 5-2, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, et 13-5. Ils ont voilà, remonté, c'était absolument terminé. Donc bon, que dire de plus sur cette map d'Icebox qui était super maîtrisée, si ce n'est que Fnatic semble intouchable dessus et qu'ils ont raison au final de continuer de la choisir jusqu'à ce qu'elle disparaisse du map pool. On va aller sur Lotus bah, d'ici quelques minutes. Tu crois que sur Lotus et on peut avoir l'arceau parce que là en fait c'est dur quoi, mentalement se dire, ils n'ont pas réussi à stopper, il y a eu un second souffle de Fnatic qui était inarrêtable. Genre c'est dur côté footballiste de dire, enfin de foot, de dire que faire en fait. Est-ce qu'on peut revenir mentalement? Bah, le problème c'est que en soi, je pense qu'on a eu une lumière d'espoir en disant vas-y les gars on va le faire sur Icebox, on va réussir un petit peu à faire tomber les monstres Fnatic. On se fait remonter, c'est le deuxième 13-5 qu'on prend 2 semaines d'affilée sur Icebox en plus, donc
C'est un peu, on l'a un petit peu mauvaise. Et derrière, c'est le Lotus, ils sont en 3-0 dessus, 100% de win rate, pardon. Non, il y a de quoi faire. En vrai, il y a moyen de faire. Et puis, ça se voit qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont changé de composition sur cette Icebox. C'est vrai. On a Krax qui passe sur la Sage. Derrière, ça veut dire qu'on a préparé le match d'Icebox. Et donc, on a forcément préparé le match de Lotus pour venir potentiellement aller chercher la Haven. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont préparé comme Icebox? Ouais. Est-ce qu'on va réussir à passer le cap un petit peu, aller, tu vois, prendre cette longueur d'avance. Faire vraiment du Fnatic plus que ça, quoi, plus que sur un side. Et oui, c'est ça. Maintenant, on va le voir, de toute façon, juste après, mais moi, j'ai un peu peur, tu vois. Ouais. Parce que j'ai trouvé très intéressante et j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas montré grand-chose du côté de Fnatic sur la Lotus la dernière fois. Bon, c'est bien, on avait les Vélodars, mais c'était ça. Je pense que ça a masqué un petit peu tout ce qui se cachait derrière. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu peur. Foot a peur. Les Fnatic sont terrifiants. Et donc, c'est sur la map de Lotus d'ici quelques minutes qu'on devrait voir s'ils vont continuer à dominer pour l'instant cette scène EMEA. À plus tard.